Elle avait Guillaume Martoc après la très belle victoire de Carcassonne face à Bayonne. Bayonne, ça te parle un peu, non? Ouais, ouais. Alors, tes ressentis de suite, là? Ah, ben, très heureux forcément, parce que c'est un match et voilà, il y avait tout pour que ça soit une magnifique fête. Et voilà, ça n'a pas été facile, mais bon, voilà, on a fait un match voilà, héroïque, j'ai envie de dire, parce que voilà, on ne s'est pas rendu les choses faciles. Mais bon, on a fait un gros match et voilà, c'est le fruit du travail de toute l'année. Et donc voilà, c'est énorme pour le groupe, c'est énorme. Franchement, retour de mi-temps, vous mettez la grosse pression, la belle pression sur cette équipe bayonnaise qui craque. Est-ce que finalement, c'est peut-être pas là un temps de jeu qui s'est joué dans cette rencontre? Ouais, parce qu'ils ont pris, on est à 14 contre 14 à la suite de la mi-temps, donc voilà, on voulait appuyer à ce moment-là. Et voilà, les avants, ils ont fait un boulot énorme. Et nous, en défense, voilà, on a fait le job aussi. Et voilà, et après ça a souri et derrière on craque pas et voilà, et puis la fête maintenant elle va être belle quoi. Carca dans le top 6 probablement, il reste encore, c'est pas encore tout à fait, il faut attendre demain aussi, mais quand même on se rapproche, ça sent bon non? Oui, ça sent bon, mais franchement c'est énorme. C'était l'objectif qu'on s'était dit un peu en début de saison, mais bon ça paraissait loin quand même un peu et là d'y être c'est énorme parce qu'au final ça fait quand même presque 6 mois qu'on y est dans le top 6, donc voilà, on avait à cœur de confirmer et voilà, c'est une récompense pour tout le monde. Bon, et dernière question, et je t'embête plus, physiquement ça a été très dur, on a vu qu'il y avait des crampes un petit peu de partout, tu as sauvé un petit peu la patrie à certains moments aussi avec des gros plaquages, là comment tu te sens là, ça va? Ouais, un peu fatigué, oui, c'est sûr, mais bon, un peu fatigué, mais après c'est sûr quand on perd, voilà, Martin a pris le rouge, bon, c'est des choses qui arrivent et... C'est sûr, c'est plus difficile après, mais bon, de toute façon, les efforts, fallait les faire là. Si on ne les fait pas là, on ne les fait jamais. Donc, non, très content. Mais, voilà. Merci à toi. Merci à toi. Bon repos.